Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'épisode numéro 1. Donc, j'ai enfin la team, vous pouvez voir, elle est affichée à droite, ou bien elle est plutôt là. Encore une fois, vous avez été nombreux en si peu de temps à liker, à commenter, surtout à me conseiller d'ailleurs en parlant de like. Les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like à chaque début de vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir, histoire de savoir si vraiment vous êtes chaud, chaud, chaud pour cette série PVM, pour cette série, franchement, la reprise de la team, les gars, le retour du roi, je suis enfin de retour, vous en faites pas. Le petit farmer chinois que j'étais à l'époque, bon, forcément, il y a des farmers hein, qui sont actuellement beaucoup plus, comment dirais-je, avancés que moi, mais enfin, bon, chacun son niveau de jeu, j'ai envie de dire. Et du coup, finalement, les gars, c'est Zobal, c'est le Zobal. Franchement, je vais pas vous mentir, hier, quand j'ai vu les votes, en fait, il y avait beaucoup plus de votes pour Lenny Ripsa, mais d'un coup, il y a la team Zobal qui est montée. Mais de toute manière, en fait, ce matin, je pensais encore que Lenny, je pensais encore que vous me conseillez plus Lenny que le Zobal. Et même si c'était le cas, même si vous m'avez conseillé plus Lenny que le Zobal, pour moi, le Zobal, j'ai réfléchi énormément. Le Zobal, c'est trop important. Je suis obligé de le prendre. Les points de bouclier, c'est la base. Zobal, c'est plus puissant qu'un Faker en termes de tank. En ce qui concerne donc les teams, bah du coup, regardez, oui, j'ai juste une mini parenthèse à faire. Finalement, l'enclos, je l'ai pas perdu en fait. Il allait être abandonné, mais il a fallu que je clique dessus. Bon, regardez, en plus, j'ai plein de Dragonnades, mais bon, c'est tous des niveaux 5 OCF. What? Pass out, c'est quoi ça? Ah, c'est un Muldo. Ah ouais, j'en avais un. Bah, je vais l'équiper. Attendez, c'est pour quelle classe? Et j'ai une Dragonnade aussi, oui, voilà, prune ivoire, celle-là, elle est caméléon. Parce que là, j'ai une prune émeraude. J'ai pas de prune émeraude camé? Niveau 100. Bon, je regarde juste en speed les gars. Bon, celui-là au pire je l'échange. Voilà, c'est parfait. Dragodin du coup. Pourquoi je suis en 11-6? Ouais, non mais attendez, là c'est un stuff extrêmement étrange. La Drago, elle est où? En fait, regardez, il y a tellement de trucs. Il met tellement de trucs. Voilà. Oh putain, je suis tellement classe. Bon du coup les gars, pour ce premier épisode, je vais pas aller XP directos. Je vais avant tout donner. Donc, il y a le crack qui est abonné. Il y a le yop. Donc, le yop acoustique, je l'ai appelé. Hein. J'ai supprimé en fait. En fait, je vous explique. J'ai donné tous les cas à mon panda. Enfin, les cas sur la Steam. Et je les ai mis. Donc, au chaud sur mon panda. Je regarde juste. Attendez. Donc, j'ai une vieille dragoon, mais c'est pas vraiment ça le truc. Donc, voilà ma team de bougos. Donc, ma yopette. Je crois que j'ai déjà acheté des ogrines dessus. Attendez. Attendez, attendez. Calmos. On va faire ça tranquillou. La bourse aux ogrines. Normalement, j'ai déjà acheté. Regardez, putain, c'est rempli de bots. On peut le voir à gauche. Ouais, 4200 grignées. Donc 4200 grignes, les gars, ça sert pour s'abonner un mois. Donc j'ai même pas payé 4 millions le mois. Franchement, par contre, je trouve que ça va. C'est potable. Par contre, ça, c'est super relou. Les vieux bots à la con là, qui débarquent. Bon du coup, stylistique le Zobal, humoristique le panda, acoustique la Yopette et Kra. Bah Kra, Jessica, un classique, vous le connaissez, vous le connaissez. Bon, alors, j'ai 87 millions, le Kra, j'ai l'abonné, lui il a déjà c'est bon. Du coup, sur le panda, je vais donner des cas au Zobal parce que le Zobal, en fait, il n'est pas du tout abonné. Ce que je vais faire dans cet épisode, c'est que je vais avant tout mettre une petite panneau aventurier sur chacun des persos. Donc j'ai déjà un Tifoux que je mettrai sur le Yop. Ensuite, je vais devoir en acheter deux, du coup, pour le Zobal et le Panda. J'ai également ouais, une Kawotte. Bah, en fait, ça, c'était tout simplement le stuff que j'avais sur... Ce que je vais faire, attendez. Je vais avant tout... Non, j'aurais dû donner les Kamas sur le Zobal. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner... J'ai 13 M. C'est bizarre, ouais. Ouais, parce que je me suis pas encore abo sur le Panda et Zobal. Mais le Yop a déjà les cas. Bah, je vais lui donner 5 millions. Merde, qu'est-ce que je fais? What the fuck? Non, en fait, depuis ça a tellement changé quoi. Bah pour le moment, je vais pas donner encore de trucs. Bon, pour le moment, je vais pas abonner devant vous. Je ferai ça après vidéo. Vous en faites pas. Donc c'est bon. Alors ça c'est ok. Donc la Yopette, elle a quoi? Bah j'ai rien du tout. Même si je peux m'abo, j'ai rien du tout. Je vais quand même lui donner des Kamas. Hein. Du coup, je vais lui donner 3 M à la Yopette. Voilà, la Yopette. Et je vais lui donner bah, tout ce qu'elle avait ici. Tout ce qui était sur le Steam, je vais le donner sur la Yopette parce que... Parce que la Yopette, c'est une belle gosse. 30. 30. 30. Ok, ça c'est bon.
Ok, la yopette, c'est bon. Alors maintenant, on va falloir acheter... Alors, j'ai pas forcément besoin d'acheter 3 panneaux aventuriers. Je crois que j'en ai déjà. Aventurier, voilà. J'ai déjà le stuff aventurier. Enfin, pour... Quoi, je suis trop faible. Putain, c'est vrai. Merde. Bon. Ce que je vais faire... Vous en faites pas, il y a une solution à tout. Est-ce que j'ai des pare-chauds? Je crois que je vais acheter des pare-chauds de ré. Je sais pas, ça peut les up niveau combien. Mais il faut que je les stuff en panneau. Ouais. Panneau aventurier. Mais c'est bizarre, la panneau aventurier, c'est pas pour niveau 1. Les gars, mais il y a eu des changements. Ouais, la panneau aventurier, c'était pour niveau 1. Maintenant, il faut être niveau 10 ou quoi. Enfin, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vais acheter en speed, hein, je vais voir. Alors franchement, si les prix, s'ils sont what the fuck, je vais être dans la merde. Bon. Pourquoi je descends tout en bas? Oui, juste pour le prix de la voile pour me calmer. 23M, oh là là, vache, la vache, la vache. Bon, aventurier, elle est où? Ouais, 1000 kama, voilà, bof. Et d'ailleurs, maintenant, la cape, putain, elle donne des crits. Mais qu'est-ce que c'est que cette panneau aventurier, les gars? Mais Dofus, ça a changé, hein. Ça donnait de la sasa avant, et maintenant, bon, ça coûte 2000 kama au save. Je vais en acheter... Deux du coup, vu que j'en ai déjà... J'ai déjà la panneau sur le yop. Aventurier. Aventurier, putain, t'es où? Aventurier. Je vais devoir en acheter deux également. Chapeau. Ah, là, ça donne de la sasa. Bon, je vais un over sasa, hein. Je suis un... J'ai quand même pas mal de cas, donc... Y a pas d'over, là. 4 sasa. Bon, on peut mieux faire, non? 5? Moi, je veux du 5 sasa, là. Putain, y a pas. Tant pis. Hop, 4, c'est déjà bien. On va pec sa mort, vous en faites pas. Limite, j'ai même pas besoin de la panne aventurier. Autant acheter la panne au presse-pic. Mais bon, au safe. D'accord, ça c'est fait. Bon, on va acheter ça en speed, hein, les gars, c'est le début. Mais on a besoin de commencer par le début, justement. Alors après, vous pourriez me reprocher, ouais, Joy, c'est pas vraiment une aventure à zéro. Bon. Pour moi, c'est une aventure à zéro pour la team. Mais j'ai toujours mon Kra qui va m'aider justement à XP. Ma petite team, ça ira beaucoup plus vite. Hein. De toute façon, vous avez été nombreux à me dire ça. Autant utiliser le Kra, de toute façon. C'est vrai que le Kra, c'est quand même la base de la chaîne joystick, entre autres. Bon, là, j'ai tapé aventurier et joystick ne répond pas. Pourquoi? Voilà, merci. Il y avait trop d'items qui commençaient par un A, sans doute. Donc là, c'est pareil. Là, il n'y a pas de crit. Donc, OSEF, j'achète. x2. Ah, là il y a de la... Ah, Seed Sasa, ouais, ça j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a là? 62 vista. Ok, 5 de Sasa, c'est bon, j'achète. Les bottes, c'est bon aussi, j'ai acheté, ouais, c'est bon. Bah, qu'est-ce qui me manque? L'amulette, je crois. Amulette et anneau. Amulette. Donc Madame Pse qui me dit salut, continue des vidéos, t'es le meilleur, merci à toi, grosse dédicace. Bon là les gars, il est très tôt, enfin il est 11h du mat, nous sommes jeudi. J'aime bien vraiment dire, définir les dates parce que c'est important pour moi, parce que comme je vous l'ai dit, il y aura des jours où je pourrais pas forcément jouer. Et du coup, autant vous dire, par exemple, là surtout là j'aurai des colis en fait à vous poster qui ont été filmés à l'avance. Et comme je vous disais, ouais, j'ai vraiment pas mal de contenu PVP 1v1 ou colis. Enfin, c'est là au safe, y a pas de crit. Bon, bah, je crois que j'ai tout. J'ai tout en double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai tout. Faudrait que j'achète du coup. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète? Bah oui, pour être beau gosse. Regarde, on a besoin d'être beau dans nos fous. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Bon, j'espère qu'ils vont pas abuser sur les prix, sinon ça va. J'essaie de rester calme parce que c'est le retour du mode PVM. Donc forcément, PVM, bon, j'ai quasiment toujours été calme. Là, on a 3 millions, ça va, Dragoon. Dragoon noir est quand même plus stylé. Hein. Putain, ouais, 2,7 millions en plus. Mais moi, c'est la team Tifoux normalement. J'espère que vous aussi, les gars. J'espère qu'il y a, des gens là, des abonnés. Ouais, 3 millions à Tifoux. Ah putain, ouais. Ah, ça c'est bon, ça. En plus, un 55. Allez, j'en achète une. J'en ai besoin encore d'en acheter une. Sauf si j'en ai déjà un sur le Kra.
Parfait, j'en ai déjà un sur le crabe. Et c'est magnifique, ouais, parce qu'en fait, sur le crabe, j'aurais pas besoin de Tifoux. Je mettrais du Rox. Ok, bah voilà, donc un seul Tifoux. Ah oui, donc est-ce que j'ai besoin d'acheter les objets vivants? Obvigevant, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est objet vivant, mais ça se prononce pas obvigevant, comme tout le monde le dit. Putain, je crois que j'ai pas d'objet sur le Yop. Je crois que j'ai juste un Roli, c'est moche. Je trouve qu'il est moche, le Roli, j'aime pas trop. Hein. Objet vivant, ouais, donc... What the fuck, pourquoi il me met pas... Ah, il me le met carrément en item, vu qu'il est équipé. Il est ouf, il est là, là. Ouais. Bon, Osef. Bon, bah, je crois que je vais acheter des objets vivants. C'est beau. C'est classe. Après, on verra, ça dépend de prix. Donc, Roli 3M, putain, la vache. What, y'a que 3 coiffes. Mais c'est quoi ce serveur pété, là? Oh là là, ça m'énerve. Mais tant pis, vous en faites pas, de toute façon. Il y a la fusion des serveurs. Osef. Putain, mais je comprends pas. J'ai l'impression que c'est le serveur où... Il y a des trucs chelous en HDV. Hein. Il n'y a aucune vente. Je crois que mon serveur, c'est vraiment le serveur le plus pété du jeu. Et what the fuck ce bug? Ah non, c'est peut-être parce que le niveau... Bah non, pourquoi celui-là, il est affiché ici? Il devrait être affiché par prix, voilà. I don't understand. Bon. On en achète deux. Ouais, des caps. Ouais, c'est bon, stop. Acheter des caps, là, j'en avais déjà. Ok, donc coiffe, cap, c'est bon. Ça suffit. Bah, je crois que c'est bon maintenant. Je vais juste acheter des petits pare-chaud dorés. Vous en faites pas, je vais juste faire ça pour up niveau 10. Comme ça, j'équipe mes bougos là. Alors. Ouais, bibliothèque. Oui, ah ouais, il faudrait également que je les pare-shot. Faut que je les pare-shot. Donc, pare-chaud ça, je pense. J'espère que ça va pas coûter des blindes sur ce serveur. Donc, les puissants. Non, ça va, ça. 50 fois ça. 5 fois. Bah c'est bon les gars, ça me coûtait 1,5 million le pare-chaud, les pare-chauds puissants. Ça a rien coûté du tout. Hein. Donc petit parchemin, où ils sont les petits parchemins de Sasa. Putain, je les vois pas, il y en a pas ou quoi? Mais what? Mais dites pas qu'il y a pas de petit parchemin de sagesse. Non mais c'est de la mytho là. C'est du mytho, pardon. En plus à chaque fois que je tape sagesse, enfin, à chaque fois que je tape un truc, il met 10 ans. Bon, vous savez quoi, les gars? Franchement, je pense que j'ai pris le serveur le plus chelou du monde des 12. Putain, vivement dans un mois, quoi. En vrai, je pense que ce mois-là, avant la fusion, je pense que je vais faire que de pecs, parce que niveau économie, je pense que je vais me casser la gueule. Non, sincèrement, je sens que je vais vraiment me casser la gueule. Donc, je pense que je vais en acheter 100. Donc, 50 pour acheter. Hop. Donc, 100, ça me servirait pour up 2 perso. Puis, avec ça... Et plus, je vais en acheter 50 pour le troisième. Est-ce que je me pare-chaud Vita maintenant? Je regarde les puissants. Ça coûte pas des masses par 10. Donc autant en acheter, je sais pas. Je vais voir si je peux en acheter 150. Ça va me coûter moins de 3 millions, c'est pas trop mal. Là, j'en ai déjà 100. Là, je suis en train de... mettre bien quelqu'un. Ok, donc il me reste 67 millions de Kama. Donc je vais me pare-chaud. Et puis du coup, les pare-chauds. Les pare-chauds d'XP là. Doré. Putain, il n'y en a pas à part 10. C'est chiant ça. Ça apporte combien d'XP ça? 20 000. Je vais en prendre 6. Je pense que 2. 2 pour. Même un seul par perso. Ça... Normalement, ça suffirait un seul pour passer niveau 10, je crois. Deux par perso, on verra bien. Donc voilà les gars, c'est vraiment l'épisode 1. Là c'est le début, là je stuff. Moi personnellement, je vais essayer de faire ça tranquillement. Hein. Je veux dire, surtout cette première semaine de vacances, comme je vous ai dit, là nous sommes le jeudi 16. Seulement à partir de lundi, je vais seulement peut-être commencer lundi 20 février à geeker. Et du coup, bah là je vais donner... au Yop. Mais voilà, comme je l'ai dit, cette première semaine, je vais pas geeker de ouf, je vais pas passer 10 heures par jour, mais la deuxième semaine, je dis pas, il y a moyen, j'en sais rien. Donc 50, on va faire perso par perso. L'objet, ça c'est pour Panda et Zobal.
Ouais. Y'a que ça à donner ou quoi? Bah non, oui, les stuffs. Bah non, lui, il a déjà les stuffs, la yopette. Donc, je fais une petite pause. Ok, re, donc j'en étais justement. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause IRL parce que sinon. Sinon, ça allait pas être très très bon à entendre. Donc, je disais. C'est le panda et surtout le Zobal là que je dois équiper en speed. Donc, dès l'épisode numéro 2. Alors, putain, non, mais ça, je sais pas si ça vous fait chier, mais. Les trucs là qui remontent là. En gros, qui montent les succès et tout. Les notifs, moi, ça me fait chier. Moi, ça me donne envie de chier, hein, ça me donne la chiasse et tout. Non, mais c'est chiant, je trouve que c'est trop relou. Ah ouais, faudrait que j'achète Dofus. Kawat. Putain, mais il est où mon Dofus Kawat? J'ai mis sur le Kra ou quoi? À moins que j'ai mis sur le Steam, enfin le Yop quoi. Donc, Panda, hop, je vais donner 55. Hop, je lui donne 50 ici. 50 ici. Deux pare-chaud doré. Je lui donne 20 pots pour rappel. 20 pots pour Bonta. 20 pots pour Brakmar. Ah, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je faisais la même à l'époque. Quand j'avais créé ma team. De toute façon, moi, quand je crée une team en général, c'est tout le temps. Je fais tout le temps les mêmes choses. Ah oui, putain, je suis pas assez haut niveau. Bon, bah, du coup, je vais passer. Les puissants pare-chauds et les pare-chauds Vita. Du coup, je fais une petite ellipse. Ok. Ok, re. Donc, c'est bon, je me suis pare-chaud en speed. Donc, un pare-chaud doré. Niveau 10! Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça, c'est pas beau. Vous avez des. Lèvres-sacs? Bon, franchement, j'en ai rien à foutre. Vous aurez jamais dû créer ça, je monte. Ah, putain, c'est niveau 12. Donc, il en faut un autre. Et bah, voilà, vous savez. Putain, mais pourquoi la coiffe, c'est niveau 12? Mais ils abusent, hein. L'anneau, la cape, la ceinture. Il manque des trucs là, la mue, putain, je l'ai pas donné. Oh le. Oh le. Oh le bocus! Ah oui, putain, ouais, je suis pas abonné, mais vous en faites pas, je vais m'abonner bientôt. Juste après cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le corps à corps. Au pire, ça, je dirais l'acheter hors vidéo. Donc, la mue. Le deuxième anneau, en fait, finalement, j'aurais dû. J'aurais dû. Donc la mue, je l'avais pas donné. Et l'anneau. Oh, pire, je m'abonnerai après, c'est pas grave. Voilà. Le corps à corps, on verra bien. Ah ouais, un Dofus Kawat aussi, mais je verrai bien aussi. Bon, maintenant, on passe au Zoutou. Zoutou, le Zobal. Ah, ça fait tellement plaisir. Donc les couleurs des persos, en fait, je les ai pas changées là. Je les ai pris comme ça, je trouve qu'ils sont classe. Le Zobal il est classe, la Yopette elle est classe, le Panda il est classe. Donc j'ai fait une Yopette, hein, parce que Yop, ça va 2 minutes. Bon par contre, je vais mettre un mode solo, sinon je vais vraiment recevoir des tonnes de MP. Donc ça c'est ok. Donc le Zouzou, on va le stuff pareil, hop, on va lui donner le reste. Et le petit Tifoux, donc que j'avais sur moi, bah il est là. Magnifique, hein, 55 ça, c'est parfait. Donc le Zouzou... Vita Sasa, classique. Donc on va mettre. Voilà. Donc là je le pare-chaud Sasa. Hop hop hop. Donc moi je vais faire avec les raccourcisseurs. Parce qu'en Kama en fait ils veulent toujours pas instaurer l'utilisation en masse. Donc comme on fait avec le pain, mais ils veulent pas le faire avec les pare-chauds de sort. Ils vont. Peut-être qu'ils ont tenté mais qu'ils ont pas réussi, je ne sais point. Alors, hop. Et les pare-chauds, hop. Donc là, ça me fait chier parce qu'en fait, ils ont pas. Ils ont bougé mes raccourcisseurs, donc il va falloir que je les remette aussi. Hop, 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 hop. Voilà, donc regardez-moi, Zoban niveau 1. 150 Vita. C'est bon là, je peux aller faire le compte à rebours. Il me tue pas. Hop. Et, normalement, les pare-chauds dorés, j'up niveau 10 et j'up niveau 12. Exactement comme le panda. Donc là, c'est vraiment 20 000 points d'XP. Avant c'était entre 0 et 20 000 je crois. Donc normalement maintenant je peux équiper le stuff de mon gosse. Oh là là. Oh là là les gars, PGM. PGM les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh non mais là je vais aller faire le compte à rebours direct. Directos. Y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Putain oui c'est vrai lui aussi là.
par chaud de ré, hop, niveau 10, ouais, mais en fait, il m'en refaut. Hop. Donc la Yopette, c'est pareil. On va tranquillement. Donc à partir de là, alors, franchement, dans l'épisode 2, je sais même pas quoi faire. Dites-moi, les gars, vous voulez que je fasse quoi? Un peu d'XP ou pourquoi pas go donjon bouffe. What, quoi qu'il y a une maintenance ouf, il m'en fait peur là, la vache. L'impression qu'ils m'ont agressé. Il y a un bruit, normalement vous avez entendu, un poup. Bon, Osef. Allez. Voilà les gars, c'est on va dire la partie la plus relou de la team. C'est comme si on était en colis bêta. Chaque fois restuff quoi, c'est assez chiant. Et bon là, on va rusher, donc cap, coiffe. Ah ouais, il me faut la dernière. Ah bah il est normal le mode solo. Faut que je mette un mode privé, c'est mieux. Faut que je lui donne la dernière dernier par chaud. Mais du coup, qu'est-ce qu'il lui manque comme item aventurier à lui là? Parce que la Yopette, je crois qu'il manque un item. Ça me fait chier, je crois qu'il a que 5 sur 6. Bref, j'ai niveau 12. Ah, niveau 13. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai un peu plus d'XP. Parce que j'avais parlé à Joris, qui est totalement inutile. Il y en a hier qui m'ont dit que ça leur a fait bien marrer. Bah, tant mieux, écoutez. Ok. Bah, j'ai que ça. Non, si, c'est bon. Elle est où la cape objet? Elle est là. Bon, bah, du coup, ma Yopette, elle sera en relis. Ah, putain, j'ai trouvé moche quand même. En relis, Burk. Un peu chum, hein, putain, la Yopette. Oh, elle est super chum. Ah putain, elle est trop chum. Franchement, c'est un gars sur Hercule qui veut une relie et qui m'échange son objet tout de suite. Hein. La coiffe, hein, je parle. Parce que là, j'ai pas les autres trucs. Tifouz. Bon, je suis pas abonné, du coup, je vais m'abonner juste après, tant pis. Et oui, voilà, donc j'avais un Dofus Kawatt par contre. Voilà, j'en ai un. Mais il va falloir que j'en rachète un, du coup, pour le coup. Bon, du coup, vu que je suis repassé en mode. En mode normal, c'est normal qu'après du coup on me RMP. Bon bah écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Putain la vache, elle est déjà super longue. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour soutenir cette série. Si vous en voulez plus, toujours plus, lâchez un max de likes. Ça m'aide vachement beaucoup en ce qui concerne ma chaîne. Je fais de gros bisous et surtout bah je vous dis à l'épisode 2 qui arrivera ou demain ou après-demain, je ne sais pas. C'était Joystick, portez-vous bien. Ciao les gars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain.